Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Avec dossier mission organisation état américain qui là pour 3 jours dans le pays, on a démarré première tranche là, c'est les domine actualité en tout, enfin, mission organisation état américain yo, il décide à parler avec le président de la République, Jovenel Moïse, qu'on a fait qu'on est dans tweet, il fait sortir discussion, t'es chita, sous situation insécurité, avec situation sanitaire pays, il dit tout, il renouvelle engagement administration là, pour un dialogue franc, SSR qui a débouché sur organisation élection démocratique. Le secrétaire d'État à communication, hein, Franz Exantus, qui a réagi sur Twitter que le président de la République a fait sortir, a déposé la question sur la première discussion qui est faite entre OEA avec le président de la République, Jovenel Moïse. Monsieur Exantus dit qu'il n'est pas paré pour le faire commentaire sur dossier ça, parce que discussion est fait commencer là-bas le temps de façon à ce que il est capable de faire l'autre déclaration sous sa cap venir dans mission 3 jours ça que l'organisation État américain pourrait faire dans le pays d'Haïti pour être capable de trouver une solution avec la crise qui a traversé Bill pays depuis un beau bout de temps. Franz Exantus, secrétaire d'État pour communication dans le gouvernement de facto. Une série de discussions ça a fait commencer, permettez-nous pas faire trop de commentaires sur pourquoi il y a là. Mais comprennent bien cette situation générale pays a qui en discussion au niveau palais national l'autre côté d'un pays a plusieurs secteurs pour nous garder qui meilleure formule qui meilleure entente qui a gagné dans le sens pour nous une solution à divers problèmes que pays a gagné aujourd'hui. Donc mission en vini la parle avec des acteurs qui concernés dans la crise là, qui sont acteurs politiques, qui sont acteurs de la société civile pour une meilleure compréhension et garder dans qui mesure qu'a pas un conseil pour que nous avancer dans le sens de jouer une solution par rapport à problème nous gagnons aujourd'hui. Oui, on peut voir l'autre rencontre, on peut voir plusieurs autres rencontres. Bon, avec tout acteur qui concerne la question sécurité, question élection, question référendum, c'est avec eux rencontre qu'on va faire. Il y a des acteurs tout au niveau de la société civile, il y a des syndicalistes. Donc, mission, on veut comprendre plus bien ça qu'a fait eux, tant d'échanges eux, et par rapport à ça qui dit dans la discussion. Regardez qui meilleure route nous prend pour nous rapidement jouer nos portes de sortie. Bon, il y a une précision ça, mais nous connaissons là pour plusieurs jours. Ou la Cour de France Exantus, le secrétaire d'État, dans la communication, dans le gouvernement Moïse et Claude Joseph Lan, la palais de mission OEA, n'a toujours été là dans les responsables dire produit, n'a rencontré avec la presse. Il fait hier mercredi 8 juin 2021, il y a un rapport sur ça, il a parlé dans la rencontre là, qui a gagné mardi 8 juin 2021 avec ma mission organisation État américain, qui est rentré dans le pays d'Haïti. Ingénieur Rosemont Pradel, il a fait connaître, il a profité de rencontre ça pour défendre position yo sous crise qu'a traversé pays d'Haïti. Rosemont Pradel déclaré depuis le commencement rencontre là, monsieur émissaire organisation état américain yo demandé yo pour prendre un engagement sincère vis-à-vis démocratie et élection. Yon bagay que dirigeant Mopod yo te voye jeté bien loin. Il était profité expliquer avec membre organisation hémisphérique là qui sa crise qu'a traversé pays d'Haïti hier journée jeudi. Dans ça nous avons plutôt écouté ingénieur Rosemont Pradel lui-même qui c'est membre fusion qui dans Dirpod. D'entrée de jeu, nous avons dit dans la mission ça, mon qui vit dans la mission, tu as environ 5 mois, tu gagné ambassadeur grenadine, tu gagné ambassadeur américain, canadien, équatorien et Costa Rica, qui est là. D'entrée de jeu, il a demandé nous pour nous prendre engagement vis-à-vis de la démocratie et vis-à-vis des élections par rapport aux élections. Eh bien, d'entre Dieu à la parapente, nous disons, nous ne pas venir là pour discuter à faire élection. Nous disons, oubliez ça, nous ne pas venir là pour discuter aucune question d'élection. Et avec force que nous disons. Et nous disons que présence nous là, c'est deux raisons. Un, parce que nous connaissons que ça a son mission de conseil permanent, l'OEA, qui vient là pour une autre cause. Deux, nous venons là pour exposer Santa Cabrille, point de vue nous, l'étude panne de la crise qui est là, et de telle sorte que nous pouvons aller avec des éléments nouveaux, que ce n'est pas parole et pouvoir qui a intoxiqué tous les jours, que c'est celle parole ça qui attendait. Nous voulons faire autant de paroles neuves,
une parole qui correspond à Santa Cabrera, la réalité politique, sociale et économique. Donc, dans ce sens, nous dirons tout d'abord, la crise haïtienne aujourd'hui, il y a deux composantes. Un, il y a une composante conjoncturelle. Deux, il y a une composante structurelle. Sur le plan conjoncturel, nous disons que Jovenel Moïse, qui gagne un mandat fini depuis 7 février 2021, suivant l'article 134.2 de la Constitution et l'article 239 du décret électoral 2015, deux documents qui constituaient ça, c'est le cadre légal qui était organisé l'élection qui déportait Jovenel Moïse au pouvoir, il dit mandat, monsieur, fini. Et nous disons que toutes les institutions en Nabéa, les forces en Nabéa, que c'est l'église catholique, l'église protestante, CSP, les majorités partis politiques, l'université, etc., même les universités aux États-Unis, les grandes universités aux États-Unis, analyser documents et dit que mandat, monsieur, fini. Donc, à partir de ce moment, nous dit le 7 février, Jovenel Moïse qui font coup d'État contre la Constitution et contre le peuple haïtien. Nous demandons, est-ce que nous sommes prêts pour nous soutenir ça, pour nous soutenir un coup d'État, pour nous qui fait un coup d'État pendant que nous disons que c'est des organisations qui défendent le droit monde, qui défendent la démocratie. Donc, nous disons que dans la phase nous relais, et crise conjoncturelle là, pour résoudre, il faut qu'on évacue Jovenel Moïse du palais national. Donc nous-mêmes nous disons ça, c'est un bagage qui est inébranlable pour nous, nous ne pouvons rien nous va le faire avec Jovenel Moïse. Pas question de parler d'élection avec Jovenel Moïse. Et c'est ça, nous allons argumenter, nous montrer quand on va y payer. Nous se font même mise en quelque sorte sur le pays, sur tout l'État, toute structure de l'État. Donc, vous avez écouté ingénieur Rosemont Pradel, Mam Fusion, qui est la direction opposition politique. Dans le même sujet, il y a ingénieur Rosemont Pradel qui a tout montré dans la situation président Moïse a évolué en d'un pays. Hein, qu'on fait qu'on n'est pas capable de parler d'élection. Mam Zirpod, qui était dans la rencontre, ça, c'est pour profiter de parler de crise structurelle que le pays a traversé. Je vais vous donner un bon dialogue à tout secteur dans la vie nationale hein, pour discuter, pour y faire connaître qui ça y a fait avec le pays d'Haïti, côté la misère a fini avec la population. Dans ce sens, je me dis pour Dieu, que la communauté internationale est capable de rider dans ça qui a passé dans le pays, et puis après ça, il est capable de parler de l'élection dans le pays d'Haïti. Ingénieur Rosemont Pradel pour une deuxième fois. Mais en dehors de tout ça, nous sommes dans une situation d'illégalité. Donc, on est illégal, et puis on va ajouter à mal pour l'élection. On dit, pour nous, ça, on va pas parler de ça. Donc, nous disons, deuxième élément, deuxième phase, crise là, qui sont crises, nous disons, structurelles, et bien, phase ça, nous comprenons bien, il faut entrer dans ça, il y a un dialogue entre les différents secteurs de la vie nationale, que ce soit secteur privé des affaires, secteur politique, secteur de la société civile, les églises des États-Unis. Fonchita, pour nous discuter pendant plusieurs jours, et même moi, pour nous dire qui ça n'a pas payé. Qui s'en a fait avec 27 750 km², 12 millions de monde, plus de 80% là-dedans, on ne va pas manger, tu vois, ils sont pauvres. Donc, qui s'en a fait pour Haïti, de nos pays, côté tout le monde qui a gagné l'espoir là. Là, il y a un gros dialogue, un gros chita pour faire parler entre les différents secteurs de la vie nationale. Parce que l'Haïti d'aujourd'hui, c'est notre échec. C'est échec, nous, c'est nous qui mettons là. Haïti va marcher et pour arriver côté nous là. C'est nous-mêmes qui prenons responsabilité dans mauvaise gouvernance, dans mauvais comportement, nous mettons Haïti côté de là. Donc c'est nous-mêmes qui vous chita pour nous retirer là. Donc, discussion tournée autour de cette situation, la situation économique, la situation de sécurité, etc. etc. Et nous ne pouvons pas brancher. Non pas pour dire que là, le premier pas qu'il vous fait, c'est le départ de Jovenel Moïse. Et c'est les âges. Nous avons parlé d'élection en un pays. Parce que pour nous, pendant ces 30 dernières années, nous mettons même 7 présidents au pouvoir et chaque fois que nous mettons un président, le pays a mis mal. Chaque fois que nous faisons élection, il sortit quand on est écrasé. Donc par conséquent, nous bagaille pour régler, nous ne pouvons pas faire élection sous tête, même bien que l'international a forcé de faire élection. C'est pour nous créer les conditions, travail pour nous créer les conditions de telle sorte que nous gagnions des élections qui feront servir
pour créer ça, la stabilité politique de ce pays qui va nous amener à Santa Carrière le développement économique, social et en d'un pays. Font le pays dans l'intérêt. Voilà en quelque sorte ça qui est effectivement débattu pour nous camper gêne avec les représentants de l'OEA pour nous discuter ça et bailler position nous et défendre. Bien sûr, nous te dit, nous ne pouvons pas attaquer l'OEA pour dire ce qu'on te fait, etc. Et là, nous te dit, pas ça pour nous l'hystérie. Ce n'est pas ça qui intéresse. Ça qui intéresse, c'est dire nous-mêmes, mes positions, mais ça n'a pas cherché, mais ça nous voulait, que nous-mêmes, ce n'est pas à chercher petit pouvoir dans la question de transition qu'il y a mis sous l'opposition. Qu'il faut que l'opposition n'ait pas cherché, n'a pas cherché pour pouvoir dans la transition. On dit nous voulons créer les conditions pour bien des élections et que l'élection pourra servir le pays. Ce n'est pas mode d'élection qu'on a fait depuis 30 ans. Voici en gros ça nous défend. Gélogé avec force de caractère en face de l'OEA. Vous écoutez, il y a un porte-parole dire Podio qui est responsable de fusion tout, ingénieur Rosemont Pradel qui t'a raconté comment la situation est liée ou encore rencontre entre organisations d'État américains avec membres opposition. Sous votre parole, porte-parole secteur démocratique et populaire, M. André Michel fait qu'on ait décidé de pas accepter appel à rencontre organisations d'État américains. Te voye ba yo pour venir dialoguer sur crise pays d'Haïti. Dans ça, porte-parole du secteur démocratique et populaire, M. André Michel, fait connait que OEA a toujours gain un comportement complaisance avec diverses mauvaises actions pouvoir en place là t'a commettre dans pays d'Haïti. André Michel, c'est porte-parole secteur démocratique et populaire. Effectivement, secteur démocratique et populaire à travers porte-parole de M. André Michel te recevoir une invitation de bureau permanent OEA en Haïti. Et d'après invitation ça, nous te supposé rencontrer avec la délégation du conseil permanent de l'OEA qui de passage en Haïti dans bureau permanent OEA dans Petionville. Vous connaissez le secteur démocratique là, c'est pas deux monde qui la donne, c'est pas 50, c'est pas 10 monde, c'est large. Après discussion, après débat dans le secteur démocratique et populaire, après consultation dans le tout dirigeant national, le secteur démocratique et populaire n'a pas participé dans la rencontre qu'a faite avec l'OEA. Nous écrit un document de 9 pages, le traduit en anglais, son document en français. Contradiction créole qu'a fait. Son document de 9 pages, dans le document ça, que nous voyons par M. Cristobal Dupuy, qui est le représentant permanent de l'OEA en Haïti, nous disons très clairement, le secteur démocratique et populaire n'est pas capable de participer dans la rencontre aujourd'hui pour plusieurs raisons. Premièrement, nous estimons, le secteur démocratique et populaire estime que l'OEA a un comportement de complaisance politique dans tout ça. Et a une responsabilité morale et politique dans la crise du pays d'Haïti. À vivre jodi a. Nous disons dans le document ça que OEA assisté, OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse, qui a plus passé 7 élections pour défendre le pays à l'Albafère. OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé la justice. OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé la police. OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé le Parlement. OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse a violé le monde, pendant Jovenel Moïse a massacré le monde. Nous disons, OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse a massacré, assassiné le monde, la Saline, Belay, Cité Soleil. OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse avec le gouvernement l'emmette Genève dans le pays a, qui a kidnappé le monde, violé le monde, tué le monde. Nous disons, pour raison fondamentale, ça, secteur démocratique et populaire, faire le lance de cette bataille, il n'est pas capable de participer dans la rencontre avec mission spéciale l'OEA, parce que l'OEA a une complicité politique, a une responsabilité morale dans la grave crise qui a crasé le pays aujourd'hui. La deuxième raison fondamentale, l'OEA, c'est une organisation à travers M. Almagro qui prend position très clairement, qui dit mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2022. Alors que la constitution haïtienne est claire, en son article 134-2, le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse a pris fin depuis le 7 février 2021. Vous l'écoutez, porte-parole secteur démocratique et populaire, M. André Michel, lui-même qui boudé, rencontre ou encore visite mission organisation État américain, particulièrement rencontre, j'ai été invité au bureau fait, puis à exposer sous crise là. N'a toujours été le dossier
mission OEA pour nous anciens responsables syndicats anciens dans voilà Tibonite là professeur Tite Pierre après qu'on ait accueilli mission organisation état américain en totale indifférence il pas croire dans ça qu'a discuté là du tout professeur a croire yo vini dans pays an pour yo tout est fait yo était lui-même parce que c'est OEA qui mettait nous côté nous là journée jeudi hein va le rappeler depuis 2017 Haïti pas jamais il fait aucune élection dans pays hein est-ce que OEA pas au courant disait bien déclaré OEA complice en pile dans sanction États-Unis par Venezuela pour raison ça a été supporté Jovenel Moïse disait Pierre fini pour le dire mission organisation état américain qui rentre dans pays d'Haïti pas fini pour pays d'Haïti mais fini plutôt pour redorer blason yo en dans pays disait Pierre. Bon, moi je m'en accueille mais ça ça dans la totale indifférence. Ça veut dire moi opinion me fait sur implication communauté internationale dans la bouge je dis. Je pense que mission ça son mission pompier pyromane. Certains feux qu'ils ont allumés, et maintenant, ils sont venus pour monter en sauveur, pour monter éteindre feu, là. Mais, depuis 2018, ils ont ici à Boumé, pour voir comment, laisser peu de droits qu'ils ont gagnés, pour circuler ou bien pour manger. C'est-à-dire, ça, oui, les droits petits, sans droits qu'ils reconnaissent, et citoyens sur la terre, que chaque loi est connaître. Haïtien perd du droit de vote depuis 2017. Depuis que je suis venu comme pouvoir, pas jamais bon élection qui fait. Et puis, côté OEAD, est-ce que le monde va être au courant? Moi, je pense que, j'étais comme ça, c'était OEA très complice dans la sanction que États-Unis baillent et Venezuela. Ils étaient à suivre, font suivi autour de Venezuela, comme je venais de garantir pour eux, pas de poser aucune question à OEA par rapport à la question de Venezuela. Ils étaient fait tout ça pour bien vous. C'est pour des jeunes, et actuellement, là, ils remarquent que les jeunes sont cadavres gâtés. Et que vous avez besoin d'évoluer la situation. Vous n'êtes pas venu pour Haïti. Vous venu pour, comme si, en sorte, pour redorer le blason. Parce que ce qui passe en Haïti, c'est une bagaille qui est inaudible. Pas que mon nom, qui a compris que on fait qui membre, l'OEA qui membre de la société unie, et qui a des tribunes dans l'espace. Et puis, pour ça, ça n'a pas la vraie vie. Il y a des histoires. Dans un week-end, plus que 12 policiers mourent. On songe le 17 décembre 2001, il y a des réactions. Je ne sais pas si tu as 3-4 personnes qui sont dans le pays. Non, il y a des gens qui sont condamnés. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont mis dans le pays pour faire rester avec eux. Et que quand il y a une saison 4 d'Afghanistan, parce qu'il y a des gens qui sont avec eux, parce que vous rendez compte que je n'ai pas mis sur le référendum ni l'élection, donc de toute façon, vers une transition. Et que vous venez, bon, moi, je pense que il y a des acteurs sur le terrain qui répondent à l'invitation, c'était bien. Qu'elle dit, ou ça m'a dit là, je ne vais pas répondre avec eux. Mais il y a des acteurs qui ne peuvent pas répondre du tout. Moi, je pense que c'est des choix qui sont normaux parce que quand même, l'OEA, n'est pas un seul observateur. Ça me fait comprendre, l'OEA, dans la Bible, l'OEA pas un observateur, il pas un comme si on mouni. Il pas impliqué, l'OEA tout aussi coupable que je venais dans la Bible, je dis. Il y a un membre du podio qui fait qu'on est que phase manifestation pour nous d'avouer, je venais aller en, il pas marché. Donc, faut entrer dans phase diplomatique là. Est-ce que, rencontre avec Diopodlan, ou capable de considérer le concerto? Bon, moi, je pense que si monsieur Damsi Podio dit, bon, je pense que c'est pas la bonne méthode, parce que tout le monde connaît que, qui fait histoire, et qu'on va dans Vincent Auger, Vincent Auger mène un pile de marches auprès des autorités coloniales pour habiter, décret 29-1990 qui est en faveur de Machio. C'est un pile de marches, monsieur fait tout ça capable pour participer, là, monsieur fait tout des marches, et puis monsieur dit, finalement, l'âme de la dialectique va être passé par la dialectique des hommes. C'est-à-dire que le diplomatie est précédé avec des démarches et mouvements dans la rue. Parce que dans les gens qui sont arrivés en Haïti, je ne parle pas qu'il y a des initiatives diplomatiques qui peuvent faire que dans la rue. Bon, tout compte fait qu'ils ont rencontré avec OEA. OEA a préféré redorer et blasonner. Je pense que si on rend compte que nous avons un gros erreur et que nous avons Haïti un gros fardeau, je fais Haïti pour un gros fardeau. À la personne de Jovenel Moïse pendant environ 4 ans et demi et 5 ans, mais yo finalement voulu que yo fait des strap, yo doré blason, yo, c'est tant mieux. Mon pote, si nous t'as rencontré à OEA, non, réunion, moi, je dis, nous t'as proposé de rencontrer avec mon OEA. On t'a dit, merci beaucoup pour Jovenel à la parce que Jovenel n'est pas le président des Haïtiens. Jovenel est président parce qu'il défend les intérêts des étrangers, des Américains ou bien de l'OEA.
Vous avez écouté le professeur Didier Pierre, qui est ancien coordonnateur du syndicat ancien, dans la Tibonite, qui a fixé la position sous visite, mission, organisation et État américain. Bartonné, l'autre avocat, dans la ville Saint-Marc, M. Carl Henri Volmeus, fait connaître chaque fois, pays d'Haïti trouvé dans l'impasse difficile, organisation État américain toujours, a montré nécessité pour participer dans la solution problème. Bartonné, l'autre avocat, juridiction Saint-Marc, M. Carl Henri Volmeus dit, il n'y a pas attendre du tout grande chose dans mes communautés internationales, parce que la solution problème pays n'a pas sorti dans mes aucun étranger. C'est haïtien qui lui résout le problème ni, Bartonné a dit optimiste sous rencontre si là. Maître Carl Henri Volmeus, c'est Bartonné, l'autre avocat, Ville Saint-Marc, Cap-Palais. Je pense que c'est très souvent, chaque fois Haïti arrive dans un passage international là, toujours à montrer nécessité pour participer dans la solution à problème. Yo. Parce que c'est dans l'idée ça que OEA a organisé pour venir voir comment qui ça a fait, qui ça a taka jouer comme solution dans le problème haïtien. Mais pour me dire, moi-même, position femme, compréhension femme, jamais attendre grand chose d'international là, puisque je toujours dit et me comprendre que solution à problème haïtien, pas sorti de l'étranger, et absorti dans les haïtiens. C'est nous-mêmes qui pour connaître qui ça nous décide, qui ça l'a fait. Et moi-même, pour exemple, ça, j'ai toujours tendé à dire qui pays Haïti t'a aidé pour indépendant, qui pays Haïti qu'on a soutenu pour être capable de sortir dans un moment difficile, dans la période d'esclavage. Même pas, j'ai tendé à dire qui pays qui te mette main à Haïti pour Haïti t'a capable d'indépendant. M. Volmeus, je dis en. Gain plusieurs partis politiques qui pas d'accord aller, gain qui d'accord rencontrer avec mission EASA. Est-ce que là pas gain un flou dans activité ça à connait là? Bon, je pense que dirigeants partis politiques yo gain des cap di philosophie par yo gain raison qui ka fait ou ka décider ou pas participer ou bien rencontrer avec de telles personnalités. Même pas se rencontrer avec vous. Je ne pas dire que c'est mauvais. Mais décider de pas rencontrer avec eux, je ne pas dire que c'est mauvais tout parce que rencontrer avec eux, est-ce qu'il y a venu avec solution? Comme nous tous, ouais, et non, et vous y allez président, c'est international qui vient chercher eux. C'est pas nous jamais vous y aller vraiment. Mais, et solution? Est-ce que international a jamais porté une solution qui est capable, durable? Ou bien qui capable de permettre tout bon bruit, population râler, on ouvre de soulagement. Mais malheureusement, moi, même toujours non, parce que quantité de missions qui viennent, ou quantité de coques qui ont dépensé chaque fois mission, ça va venir, bah, j'aime moins en rien qui fait. Et m'a pris un exemple bien simple, bien clair, qu'après tremblement de terre là, pense que tout le monde tendait et connaît que y a plus de 70 milliards de dollars qui dépensaient pour Haïti. Si nous apprenons Haïti, après tremblement de terre, Haïti, avant tremblement de terre, là, Haïti qui gagne 10 milliards de dollars qui dépensent pour lui après tremblement de terre, d'après que, dans 10 milliards de dollars, ça est comme tout à l'heure, même gagne 100 dollars qui dépensent au bénéfice de Haïti. Vous optimiste sur l'arrivée mission ça dans le pays d'Haïti? Bon, sincèrement, je ne sais pas. Vous avez écouté, Bartonné d'avocat dans la ville Saint-Marc, M. Carl Henri Volmeus, qui a fixé position sur mission 3 jours, organisation d'État américain, a fait un pays, pour capable, qui est capable de sortir, à une solution, dans la crise qui a traversé, Bill, pays d'Haïti. À dossier justice, on a démarré deuxième tranchement, pour le Bartonné d'avocat dans la juridiction Saint-Marc, là. M. Carl Henri Volmeus réagit, sur avancée qui gagne dans le dossier assassinat, M. Monfrey d'Ofalan, qu'on a fait connaître, démarche louable, parce que juge, là, M. Renon Régis, qui est juste instructeur, il n'est pas arrêté avec personne. C'est lui qui prend courage lui avec deux bras pour inviter Madame Présidente de la République, là, Martine Moïse, pour le tenter dans le dossier d'assassinat qui fait sous ancien bâtiment de notre avocat Port-au-Prince, Maître Monfrey d'Orval, nous connecter Moïse assassiné dans la date 28 août 2021. Tout près qu'il y a président République, Jovenel Moïse. Puis loin, parce que l'avocat Abid Saint-Maclan, M. Calary Volmeus, reconnaître le commissaire gouvernement pour le président, c'est un obstacle à justice, là, malgré jugement, remettre ordonnance, là, commissaire, pas bail, en citation, à moun qui doit être en dire. Maître Calary Volmeus, battre l'avocat Saint-Maclan, dit qu'il va gagner un gros espoir que la justice pays d'Haïti, a bail réponse à ça. Il a cherché, qui c'est justice pour mettre
mon frère Doval, qui est ancien bâtonnier, l'autre avocat, ou n'importe presse, nous avons qui mourit assassiné le 28 septembre 2021, dans la résidence privée, qui tout prie qu'à président de la République, là, n'importe presse. Maître Calanri Volmeus, lui-même, c'est bâtonnier, l'autre avocat, c'est Mathieu, la pose des précisions. Démarche louable, puisque je lui ai montré que il n'est pas arrêté à personne, et c'est le cas, prends courage pour l'inviter. Madame Président pour le temps d'elle, elle me pensait que c'est un personnage très très important dans des matchs à chercher justice pour Maître Doval. Le président a confirmé que Madame Mé, c'est une premier monde qui se recevoir message pour me baser une monde qui t'a vu celle-là même dans le moment que la produit, hein, puisque à deux minutes de après deux minutes de réalisation criminelle et pendant que assassin ont été sur les lieux du crime même, ils ont envoyé vidéo, ils ont envoyé photo par madame Ning, parce que là, l'important, pour entendre madame là, et même président tout, puisque le président s'est confirmé ça, pour avoir plus précision, et pour t'as venir avec photo, t'es voyé, vidéo, t'es voyé, numéro de téléphone qui t'es voyé, photo ça, par madame là, parce que t'es marché à l'éloigne. Et même si quelquefois on a dit que Pissio Bouillé, yo pas pas une information parce que yo été saccagé greffe, yo été rentré pour l'autre fois dans Kaimé Doval, même parce que la preuve ça, c'est la preuve des preuves, dégagé, que le président a porté pour dire que madame Ni, c'est le monde qui a pu se voir photo avec vidéo pendant que nous avons commis là, parce que là, pas gagné à sortir de là. Même aujourd'hui, pas gagné gros espoir. Pas un gros espoir que la justice haïtienne tape nous vraiment ça n'a pas cherché. Même qu'on est que l'immédiat justice va être en Haïti, puisque il y a un système, il y a une justice internationale, nous espérons et nous croyons que nous avons une justice pour mettre Doval. Dossier référendum, Fondation Jacques-Léry, il prend note sur décision autorité au prend pour envoyer sans wabaye en quelle date sous sa relais mascarade référendum 27 juin que le président républicain a voulu organiser dans le pays. Dans ce sens, Mme Marie-Hélène Gilles, dans Fondation Jacques-Léry, lui pose cette question pour connaître l'agent qui était utilisé pour capable permettre de faire référendum, nan, malgré différentes couches en dans la société, t'es voyé le jeter. Fondation Jacques-Léry recommandé pour yo, t'as utilisé la transparence avec respect, règles, comptabilité publique, yo. L'agent qui était là pour faire référendum, nan, pour combattre question insécurité généralisée, hein, renforcer les capacités sanitaires pays d'Haïti, à pour supporter moun qui était victime, go, la guerre gang, yo, t'as fait, nan, Port-au-Prince, pendant la semaine passée, hein, nan, zone, Martissant ensemble avec Fontamara qui s'y met gros la terre sur Mounsayo pendant plus passer 6 jours sans qu'il y ait aucune autorité dans l'État, pas de jambes levées de droit, pas faire aucune réaction pour ça Mounsayo t'a subi en bas cadre Jacques, jeune garçon t'a fait sous jeune femme puis qui dit fait la caillou tout est raché et puis jusqu'à ce qu'il retourne des réfugiés dans propre pays yo yo t'a réfugié dans centre sportif Kafouan et puis avec sous place Fontamara. Madame Marie-Hélène Gilles, l'ICE responsable de la Fondation Jacques-Léry, la porte des précisions. Effectivement, RJKL prend acte de décision que l'autorité de facto pays a prend pour renvoyer s'immédié ou bien au calendrier référendum ça a été après organisé. Alors, ce que tout le monde connaît, en pile une voix t'est levée pour te dire pas d'accord avec référendum ça. Le conseil électoral scélérat mettait sous place en dehors de tout consensus et de toute provision légale au mépris de la population et là pour t'organiser un soi-disant référendum à la manière de Roger Lafontaine. Comme quoi, pour faire exécutif là tout plaisir. L'agent détourné, c'est-à-dire c'est l'agent qui débloqué sans avis pour supérieur des comptes à contentieux administratif pour organiser l'activité ça. Alors que en même temps, structure sanitaire affiche une faiblesse, une incapacité pour faire face carré à problème coronavirus là. Manquer cabane de l'hôpital, oxygène, médicaments, masques, équipement de protection pour personnel médical là, pas de test de dépistage, vaccin, etc. Mettez sous ça infirmiers, médecins, ambulanciers, auxiliaires, tout l'autre agent qui y est à service de santé dans le pays, ils sont très mal payés ou ils sont pas payés. Donc, pas qu'être notre cap sorti, mais divers l'hôpital dans le pays, cap dit, ils sont pas capables de recevoir malades qui ont corona. Population, il a abandonné à propre soli, autorité, ils sont tous aux abonnés absents. Parallèlement, ou vient la guerre des gangs. Nous n'a victime tout partout en bas une impunité sans pareil. Tout gang yo
ramasser les armes, ils ont attaqué la population civile, ils ont attaqué les agents de la police nationale. Donc, il n'y a pas de monde qui est déplacé. Des familles, des quartiers pauvres. Ils n'ont pas compte qui fait pour y'a relé. D'ap monté et descendre, y'a pas qu'on côté, puis y'a aller dans la période de Kouna. Fondation Jekyll a posé cette fille un paquet de questions. Côté y'a fait avec des fonds qui étaient mobilisés pour le référendum. Qui ça va le faire avec y'a? Côté fonds qui étaient mobilisés pour COVID-19 là. Côté aide internationale y'a passé. Matériel de dons que l'étranger ou bas non. Qui rapport financier qui fait? Qui gestion qui fait? Est-ce que bien des avis qu'on se paye des comptes avec contention administrative par rapport avec des décaissements. Qui a dit que c'est NMP bail par rapport à des décaissements ça yo avec des appels d'offres qui fait. Inventaire sous distribution matérielle yo côté au passé. N'a demandé tout. Côté au passé des fonds qui a lui a servi de renseignement dans la police nationale d'Haïti. Côté au passé avec des budgets de renforcement de capacité technique opérationnelle pour la police. Qu'on paquet de questions à poser. En attendant réponse ça yo. Fondation Jekyll a demandé autorité en place, dégager, renforcer sécurité dans le pays pour combattre l'insécurité qui généralise, renforcer capacité sanitaire dans le pays pour faire face carré à COVID-19 là, supporter les déplacés internes, victimes de la guerre des gangs qui a simé terreur alors que gangs ça yo nous tout nous relie yo bénéficier yo impunité officielle. On a écouté madame Marie-Hélène Gilles qui est responsable Fondation Jekyll qui a réagi sur question référendum là qui renvoyé dans pays d'Haïti. Dans même dossier référendum là, nous allons dans nord-ouest pays, nous allons rencontrer correspondant Saint-Jean Wissis qui dit nous opposition dans nord-ouest à travers une conférence pour la presse fixé position yo sur report qui fait de référendum inconstitutionnel président de la République là Jovenel Moïse le fait 27 juin Kavina. Opposition qui plaide pour une unité dans mi-temps opposition mandé pour peuple à continuer à mobiliser pour permettre chef rebelle Jovenel Moïse qui était parlé avant 27 juin Kavina. Dans sa gain pour avec présence mission organisation état américain dans pays ça va faire mon département de ça ni chaud ni fouette parce que pas quoi du tout dans mission ça Saint-Jean Whiskis pour plus de détails. Opposition plurielle là dans le département nord-ouest qui réunit famille Lavalas, Fusion Sociale Démocrate, PON, OPL, AAA, Petite Dessaline, Fonds Patriotique Populaire, pour ne citer ça seulement, rencontrer la presse, jeudi mercredi 9 juin 2021, ça, puis ça fixer position, yo, sur report référendum tête chat, inconstitutionnel, Jovenel Moïse, là, une porte-parole opposition dans la région, pour ce Métilus Andalas, qui te prend la parole, dans circonstance temps, bail, disons, ensuite, mandé unité, dans mi-temps opposition, cap permettre, Jovenel Moïse, mandat le bout depuis 7 février 2021, quitté par les nationales avant 27 juin, qu'a venu là. Petit Dallas. Le référendum annulé grâce à vigilance, grâce à militance, grâce à persévérance population. Mais 27 juin de Kembe, 27 juin de Kembe, qui Jean? En 1985, Jean-Claude Duvalet a tenté fort référendum. Il n'y a pas de café, il n'y a pas de passé. Il était obligé de tomber et perdre du pouvoir pour ça. Dans l'histoire pays, des bons présidents tentent de faire référendum. Il n'y pas marché ou supposé quitter par les nationales. Puisque Jovenel Moïse, c'est pas un rendez-vous pour 27 juin pour te changer la constitution parce qu'elle te croit que il y a une force populaire avec elle. Parce qu'un référendum, son vote oui ou non. Eh bien, le fait qu'elle déjà constaté population a déjà répondu non par rapport à référendum lien, eh bien Jovenel Moïse capitulé. Puisque Jovenel Moïse capitulé dans le référendum non, eh bien il supposé quitter Palais National 27 juin. Département Nord-Ouest qui a lancé mot d'ordre, campagne, mobilisation anti-référendum non, il profite matin en tout pour lancer un appel à la solidarité, à l'unité au sein de l'opposition politique et de la société civile. 27 juin, Jovenel Moïse est supposé aller, puisque il a capitulé sur le référendum. Non, nous connaissons le mandat fini depuis 7 février 2021. Expulié, il prouvé incapacité, un, pour assurer sécurité physique population, notamment de qui ça qui passait dans l'entrée et sortie sud pays. Et nous constater qui ça qui posait en termes de sécurité alimentaire en d'un pays. Jovenel Moïse n'a pas gagné aucune capacité ni légitimité
pour traverser 27 juin. Comme 26 juin, c'est anniversaire Jovenel Moïse, n'a pas lu journée 26 juin, mais l'a banou 27 juin, l'a quitté par les nationaux. C'est victoire au département nord-ouest, c'est victoire au peuple haïtien. Département nord-ouest, profitez des annulations référendum pour lancer appel à l'unité, appel à l'entente nationale. Toute opposition en doué, si ça, en bas de la peau, papa de Saline, puisque c'est toute nation qui est en danger. Questionnil, sous présence OEA dans le pays d'Haïti, Mathilus Andalas, pas de mettre dans la bouche li pour le dire, c'est OEA qui mettait le pays d'Haïti dans l'état de trouver le jour aujourd'hui à travers les élections piquées collées li. Ça veut dire, présence OEA sous terre papa nation, Jean-Jacques Dessalines, pas fait ni chaud ni fret, Mathilus Andalas. OEA a une mission même pour créer crise dans le pays pour Haïti. L'opposition n'a pas grand chose que le bras dit avec une organisation qui déjà sous coupe réglée et qui sous budget par les nationales. Délégué en grand monde avec yon mémoire, un document écrit pour le remettre au EA pour le dire, mais situation pays, s'il pense pas contre qui ça va passer en Haïti, mais qui est-ce qui Jovenel Moïse là, mais qui ça Jovenel Moïse fait dans le pays déjà, Jovenel Moïse son volet chapitre Mimia ou lui participer activement dans dilapider 4,8 milliards plutôt Caribé. Li touye Mette Doval, li touye, li fait massacre la Saline, li fait massacre Bel Air, li fait massacre Solino, li fait massacre Kafoufeuille. Li pas au monde qui en odeur de sainteté pour organiser ni élection, ni référendum rien en Haïti. Opposition dans département nord-ouest qui bat bravo la contentement face à échec référendum Jovenel Moïse mandé pour nation haïtienne contient li mais flambeau mobilisation bien haut à travers pays jusqu'à ce que yo veut mettre chef rebelle Jovenel Moïse la condition pour s'acquitter par les nationales. C'est Jean Whiskis, Sport de Paix, Pyramide FM. Merci Saint Jean Whiskis. Nous avons quitté Nord-Ouest, nous avons la Tibonite, parce que dans la commune Saint-Marc, ancien député circonscription Saint-Marc, Renal Exantus déclaré, chaque fois après une élection dans le pays d'Haïti, il est toujours débouché sur une crise électorale, mêlée avec une crise politique. Député, en fait qu'on est, depuis ta élection qui t'a faite à président de la République, Jovenel Moïse, la gagné yon élection kap contesté parce qu'elle t'a déclaré depuis élection faite dans le pays d'Haïti, pas gen moun qui kap prend élection ça nan mayo. Ancien député Lester Lang, Renal Exantus dit, opposition pendant élection, ça qui important pour yo, c'est garder comment yo capable réorganiser pays d'Haïti pour ces pas blancs qui viennent dire qui ça yo doit faire pour pays. Renal Exantus, c'est ancien député circonscription Lester. Débat pour faire jeudi, hein. Chaque fois des élections dans le pays, les débouchés sont crise électorale, sont crise politique. Donc, ça est fondamental pour moi. Donc, c'est pas fait élection, vous faites élection. Deuxième bataille, Jovenel Moïse Claire, il dit que il prend le pouvoir le plus longtemps que possible. Il n'y a pas de personne qui a pris le même. Donc, a priori, élection contestée. A priori, le contesté. Donc, qui fait que, question élection, ça, que Jovenel mette en parler chaque jour pour la carisser la madame, et à côté le bal en prison, tout. Et avec tout le monde et KEPA, donc élection pas parler du tout, parce qu'une panne élection, nous voulons que je dis à ces capacités, ça nous voulons que la classe politique là dégager à l'ANCE, comment capable réorganiser le pays, hein? C'est pas blanc pour dire ça qu'a bon pour Haïti. C'est nous-mêmes qui chef, c'est nous dirigeants, c'est nous haïtiens. Et il y a pas de saint là-dedans. En conséquence, nous pas qu'à prendre dicter dans l'international là pour montrer. Nous voulons faire démocratie, et bien, si on regarde n'importe quelle élection, ils ont même tout, il y a de l'argent pour faire élection. Donc, nous, sur la démocratie, si tu veux, mais faut nous sortir dans l'auberge, ça, parce qu'il va y avoir un résultat. Maintenant, c'est nous pour dire pays, pour que nous fassions l'État, reprendre les galiens, un, contrôle territoire, deux, question de sécurité, trois, question de la justice, mais, demander une nouvelle base pour les situer l'État. Donc, et c'est ça, nous, comme défi. Deuxième défi, nous va lever, c'est comment on a fait pour nous prendre science. International, la science blanc, qui j'en a fait pour mettre science blanc, pour mettre finance blanc au service société, au service de l'humanité. Donc, ça, discussion, ça, nous avons besoin de faire. Mais nous parlons de question élection pour nous dire que nous, c'est pas ça que démocratie, ben, démocratie sont idéaliers, pas de quel peut être modèle démocratique dans le monde là, c'est ça pour nous tête nous, et ça, on a dit population, ils sont pas complexé, je pense que bon démocratie, et bon, on démocratie parfaite qui trouvait aux États-Unis, qui trouvait la France, c'est faux. C'est faux, il y a adapté des institutions, soi-disant démocratiques, soi-disant républicaines, avec ça, il y a gagné, comme réalité, comme contrainte, ça lui a pas ajusté. C'est que nous-mêmes tout, pas de monde qui a imposé nos démocraties. Pas de monde qui a
ne cap dit qu'il y a pas des monde qui est capable d'exporter démocratie ça vers Haïti. Donc c'est-à-dire que bon thèse, moi c'est bon réflexion français fait un politologue français Olé Bertrand et Badi qui écrit alors qui écrit sous question l'état importé. Donc c'est-à-dire que forme de l'état occidentalisé c'est le importé nous on ne pas non nous pas une réalité historique, nous pas une formation sociale même j'ai avec nous pas un nombre de temps d'existence politique même j'ai avec eux étant que peuple étant que nation. Donc qui fait que bon paquet dérive les créer dans société et tiers mondiaux et notamment Haïti dont question clientélisme non seulement il y a l'interne mais il y a l'externe parce que il y a une sorte de clientélisme qui développé entre l'État qui a bail leçon morale message démocratie etc avec l'État qui a recevoir qui a appliqué leçon morale ça donc c'est ça où on l'État clientélaire. Donc faut sortir dans logique ça pour nous dire nous voulons rapatrier l'État pour que l'État prend en charge qui fait que nous pas obligé d'entrer dans l'élection et bullshit élection monarchie faut une capacité pour bail payer en l'autre orientation l'élection et bourrivide ça élection programmée ça élection suivie ça yo pas capable résultat alors que chaque fois au fait c'est contestation yo produit et yo déjà produit contestation des pas de vous même voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous. Son babé zap chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.